Good morning, allez, Daniel, ce sera aujourd'hui le nom Shmatra Esther Bat Miriam, René Avram Ben Mordechai, ainsi que l'Irfouat, Olivier Sren Shimon Ben Chayester, Ramchat Miram Bat Rosana, Ben 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 Chibiva, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider notre prochaine étude de Misha, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions à Sechat Ruvim, Perek Vav, Mishnahei. Bala Bait Shaya Shutaf, Lashchenim. Laze Beyain, Velaze Beyain, Enam Tsrichim Le Arev. Laze Beyain, Velaze Beshemen, Tsrichim Le Arev. Rabbi Shimon Omer, Echadze, Vechadze, Enam Tsrichim Le Arev. On va, dans notre Mishnah, s'intéresser à quoi prendre pour faire un Eruv. C'est pas exact. On aura des Mishnahs qui sont bien plus explicites en disant qu'est-ce que, concrètement, lorsqu'on va faire un Eruv, Chatzerot, ou Shituf, Mevohot, on va expliquer la nuance déjà dès aujourd'hui, de quoi on parle exactement, mais en tout cas, quand on va vouloir s'associer, on va apprendre qu'est-ce qu'il faut prendre. Il faudra prendre un pain, on va plusieurs dans les détails, on va déjà parler un petit peu de tout ça. Là, notre Mishnah, elle nous projette dans une situation un peu très particulière, en fait, où j'ai deux voisins, et je suis associé avec les deux voisins, soit dans un pain, la Mishnah va prendre un cas dans le vin, on va expliquer pourquoi. On est déjà associé, intrinsèquement, on a déjà acheté un pain à trois. On a acheté un pain coupé en tranches, par exemple, à trois. On a acheté un tonneau de vin à trois. Il s'avère que maintenant, tous les trois, on est déjà associés dans un seul tonneau. La Mishnah va me dire en deux mots, ben c'est bien, c'est super, vous êtes déjà associés, c'est pas la peine de faire le Hérouf, ça s'appelle que vous êtes déjà mélangé. D'accord? Le principe du Hérouf, en fait, il est que lorsqu'on a chacun sa propriété indépendante et une partie commune, alors on est considéré qu'on a chacun un domaine privé avec ici un domaine public. Lorsqu'on est tous les trois, et le Hérouf, il consiste en fait à s'associer pour qu'en fait, on va prouver qu'en fait on est devenus tous une seule personne, on est tous amis, on est tous ensemble, donc on est tous dans un seul réchoute partagé, c'est le principe du Hérouf. La Mishnah me dit, ben, tu sais quoi, si vous êtes déjà de toute façon partagé, parce que vous êtes déjà associé, parce que vous avez de toute façon acheté un tonneau pour faire du business, d'accord? Ben dès lors, ça s'appelle que vous êtes déjà Mehoravim, c'est pas la peine de récolter de nouveau un pain pour le Hérouf. Voilà la Mishnah, et on la traduit déjà entièrement tout de suite, mais il manque énormément pour pouvoir comprendre tous les détails de ce qui sont écrits ici. Balabait, Shaya, Shutaf, Lashrenim. Un, maître de maison. Balabait, Shaya Shutaf Leshanim, il était associé avec d'autres voisins. Il était associé, comme il dit le Bardonnant, il n'était pas associé à cause du Hérouf, il était associé depuis tout le temps, on fait des affaires ensemble. Donc du coup, Lazebein va Lazebein. Avec les deux, il est associé avec du vin. On a acheté en fait, le Bardonnant précise, on a tout mis dans un seul grand tonneau. On a associé dans le même ustensile. Alors, Einam Tsrichim Leharev, ils n'auront pas besoin de faire un nouvel Hérouf, ils n'auront pas besoin de donner une nouvelle cotisation, c'est ça la cotisation avec laquelle ils vont s'acquitter. Du principe du Hérouv, ils sont déjà associés. Par contre, si c'est la Zébeyaïn et la Zébechemen, avec l'un il est associé avec du vin et l'autre il est associé avec de l'huile, alors la Mishnah me dit, Tsrichin la rêve, alors là il faudra faire un Hérouv. Parce qu'en fait il s'avère que moi j'ai Réhouven et Shimon, c'est mes deux voisins. Si avec un je suis associé avec du vin et l'autre je suis associé avec de l'huile, alors il s'avère que maintenant, Réhouven et Shimon ne sont pas associés dans un même tonneau. Ils sont séparés, puisqu'il y a un tonneau de vin et un tonneau d'huile. C'est plus ou moins comme ça que la Gemara explique, mais un peu plus compliqué à cause de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, non mais Rabbi Shimon enseigne, Echadze vechadze, que ce soit ce cas-là ou ce cas-là, c'est-à-dire que ce soit associé avec les deux avec du vin, ou un avec du vin et l'autre avec de l'huile, dans tous les cas, Enam Sekhem Larev, ils n'auront pas besoin de prélever un nouvel Hérouf, de faire une nouvelle association. Il y a deux points à expliquer. Tout d'abord, donner une halakha générale, la différence entre le, on va dire trois points en fait, la différence tout d'abord entre le Hérouv, Chatzerot et Shituf Mevohot. C'est presque le même principe. Hérouv, Chatzerot, ça signifie qu'on s'associe dans la cour, et Shituf Mevohot, ça signifie qu'on s'associe dans l'impasse. Vous vous rappelez, on avait dit qu'il y a des impasses. Et l'impasse mène à plusieurs cours. Et les cours sont partagés entre plusieurs copropriétaires. Il faut s'associer dans les cours, on fait un Hérouv, Chatzerot. Il faut s'associer dans l'impasse si on veut porter dans l'impasse. Il faut faire un Shituf Mevohot. En théorie, c'est le même, presque le même principe. C'est le même principe même. C'est faire en sorte qu'on devient tous une seule grande entité. Seulement, dans le Chatzer, on est beaucoup plus Mahmir.
on est beaucoup plus strict à récolter nécessairement un pain. Alors que dans le Shitouf Mevot, il y a une coula, c'est qu'on peut même prendre, si on veut, du vin. On peut prendre, d'accord? On ouvre plus l'éventail. On expliquera dans les autres Mishnayot exactement quoi prendre. Mais pour les, en tout cas, donc pour le Shitouf Mevot, on est beaucoup plus large. On permet même de prendre du vin. Donc du coup, la Mishnah, elle, si vous faites attention, non, il n'y a pas de grand diouk. La Mishnah, elle parle en fait qu'on parle, on a pris du vin pour le mettre dans le Mavoï, pour faire un Shitouf Mevot. Ça revient exactement même, d'accord? Ça, c'était, j'ai expliqué donc c'est quoi le principe de Shitouf Mevot et Eruv Chatzerot, avec la halakha différente entre les deux, qu'on est plus permissif sur le Shitouf Mevot. Il y a encore une petite notion, je la laisse de côté pour le moment, et j'explique maintenant un autre point important. Quand on s'associe avec tous les voisins, c'est très important qu'on s'associe tous dans un seul grand ustensile. On ne peut pas laisser les objets en deux choses. Imaginez, je m'associe avec lui avec un plat halavi avec mon voisin, et l'autre avec, avec un plat bassari. Et les plats, on ne les mélange pas. Même deux plats de viande, c'est rien même. Si on ne les mélange pas, il s'avère qu'on n'a pas associé les roues. On a fait deux choses distinctes. On n'est pas devenu un seul grand. Du coup, et tout le monde est d'accord, même Rabbi Shimon est d'accord avec ça. La question, notre Mishnah, elle parle d'un cas particulier en fait. On a dans le même tonneau, on a mélangé les vins, puisque je suis associé avec le vin à lui, et l'autre, j'ai mélangé l'huile. Ça se mélange pas parce que l'huile, elle va flotter, le vin, il va rester en bas. J'ai tout mis dans le même tonneau. Est-ce qu'on considère l'huile mélangée avec le vin ou pas? Selon Chachamim, ça ne se mélange pas, c'est distinct, donc c'est pas considéré qu'il y a le contact qui est entre eux ne fait pas que c'est devenu une seule entité. Donc on ne s'associe pas de la sorte. Le fait de le mettre dans un même tonneau, le vin et l'huile, ouais, ça va pas faire un érouv, ça se mélange pas. Donc du coup, c'est comme si c'était considéré comme deux tonneaux, on ne peut pas s'associer de la sorte. Et d'après Rabbi Shimon, alors on considère que tout est considéré, que ça se mélange lorsqu'on les met dans un seul grand tonneau. Et du coup, on a tout mélangé, tous les roufs dans un même tonneau de nouveau, et on s'acquitte de la sorte. Il y a maintenant, je vous ai dit, une notion importante. D'accord? On a fini la Mishnah. Maintenant, je vous apprends une nouvelle notion aussi assez importante, qui est rapportée ici dans le Tosot Yom Tov, rapportée dans le Rama, c'est le premier qui en parle, l'Agmal en parle. Je vous ai dit qu'il y a on s'associe dans le Mavoï, dans l'impasse, et là-bas on peut même prendre du vin, ou on s'associe dans les cours. Lorsqu'on s'associe dans la cour, il faut prendre nécessairement du pain. Maintenant, il y a un grand sujet dans la Gemara, hein, c'est est-ce que le fait d'avoir fait un Shitouf Mevot nous dispense de faire un Shitouf Mevot? Est-ce que ça nous dispense de faire les roufs Hatzerot? C'est-à-dire, si vous faites attention, il y a une ruelle avec deux cours. Les deux cours, chacun il doit faire un Eruv Hatzerot. Puis après, il faut s'associer aussi dans la ruelle elle-même, dans la petite impasse, s'associer en elle-même. Maintenant, si vous faites attention, le principe du Hérouv, c'est toujours la même idée. C'est-à-dire qu'on va tous devenir une seule grande famille, même avec le voisin qui est en face, qui habite dans la même passe. Du coup, d'où la question. Est-ce que le fait si on se contente de faire uniquement un Shitouf Mevot, dans la passe, on s'associe dans la passe, avec même le vin. Est-ce que maintenant, ça nous dispense de faire le Hérouv dans les cours? Parce que finalement, on a exprimé que dans toute cette impasse, pas que dans les petites cours, même dans toute l'impasse, et les cours et l'impasse, on a exprimé qu'on est tous devenus associés. Alors tout d'abord, si on prenait un pain dans l'impasse, c'est sûr, on s'est acquitté. Si on va prendre du vin dans l'impasse, que par ça on réussit à faire le Eruv Chatzerot, le Shitouf Mevot, mais en théorie le vin ne marche pas pour le Chatzer, alors il y en a qui pensent, et le Barzel, le Rama, il rapporte ça à posteriori que ça marche, il y en a qui pensent, que puisque maintenant l'association qu'on a fait dans le Mavoï avec le vin nous a de toute façon fait associer, on va pouvoir étendre la permission même sur les cours et on sera dispensé de prendre du pain. D'accord? C'était le Tosot Yom Tov qui rapporte cette notion-là. Est-ce que, donc, je répète en une phrase, est-ce que le fait d'avoir fait un Shitouf Mevot selon les règles de l'art imposées du Shitouf Mevot nous dispense de faire un Eruv Chatzerot puisque finalement on a réussi à s'associer de la sorte. Donc du coup, ça a marché. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tov, Salam.